وستي غادي تولي نزول ونصوف فيس ونصرف حضام قرنا دمنا لي ذواني تمديث بوسا تمديث بوسا غادي نرتج ميتين ورقاز ام قرانيون ورقاز دي جاني سميس يتوارون سي سكيني وراغاني من غديون ورقاز اذا سيت ان غران غران سبورتيف دي بون غطاس بوارازن ديون دي غناتيك يقال في ذن الشيء عنا غادي الدوني توقي ناس لوصيف حماني ان بوكسر قبضن لعفور بيغ وسنقير للعمال 71 اسكواسن اشو كان تجميت لوصيف حماني غطاسي تي السنين ذاك سيت ان غران بوكسر ماشا السقد نوي اولا في لوصيف حماني امدان افافاز لوصيف حماني دعنا تيك يخدم من الدال لم كذا شو كحمل شو إيه هذا شو تقرحن والسنسين قورا لم كذا ثني الدال التاسم بولادنا وين عفنش ذا إلى من دبيا تسوى شو تيس إجلن ذا جين يذنا إم ملال يذن سيس ميو سيس من ون مرة لكن مثلا مسوي ذا اسمه قلنا كذا ونا أنا عزيزك تسوى شو لوصيف حماني تجار بيجم ذق نرحم تجار بيجد الفركة إثوى شو ت إثمور في مرة وذ إتي حملا وذارين ذا جيذنا ذي لب بلاطو نزوار ذي يليس سمينا تبغي اسم قماس حماني الثلاث يعفو رحم ورد قرد نوي غوال الساغي قلنا لك الوصف حماني لوك ذي ماس سمينا عمينا غزولة غزولة قما غزول في اللوان هذا قال بجد البركة صحيح تم قناة مثل ذي قال لنا ميس ويسين وقين يتوسنا تصر رشيد رشيد دعنتيك يبغي غفري ذن باباس من تسا دعنتيك بليزيور فون شامبيون دي لا بوكس يبغي غفري ذن باباس هكذا دعنتيك ليه ماس نظن سي كلقانك يسار حدا ضفض سير في ديث ميس رشيد كيني غزول و وذي قال بجد البركة مغارم بذلك ثاني بثم قناتي مثل دقيقة لنا إلي دعنا تيك محمد وهراني الوصيف حماني خاليس نسي دعنا تيك توشوت الوصيف محمد كيني غزول وثاني بثم مثل دقيقة لنا مزولة كمان البركة ذي العمار نور صحة ميرسي ثاني بثم قنات ألو هاته استقسيم مزورو سمينا ذي شو دا حلفو يلم إمرات هو ذي السم جدام وزاد بليك جدام une relation c'est un plaisir d'avoir repris son prénom et une fierté aussi et comment dire c'est pas un prénom qui est facile à porter parce que c'est une grande femme c'est une grande dame justement voilà, ouais. parce que c'est une des femmes qui a cassé les tabous c'est une femme qui a supporté c'est une miss un peu partout bah d'être assez nerveuse mais ça me prend et laisse mes notes là c'est à faire ça voilà alors tu vois là on a كي قدر وسنسين كورا خاطر نزرب لك يعيا يهليك ماشي اللي قاسو فونداتاس لي ريمور فلاس بلي كفاني موت انت مازالت يدار كي قدر وسنسين كورا لازم نحكو يا رشيد بصح سي فغي لا ناتاس ايزون في دي فوس رومور ديجا ايزون في دي فوس رومور سور فيسبوك كل شيء دونك لا سي ديرني تان لا اللي تي ما فيتري لا غوخام à Vitry, donc il était à Yachetta. Donc il faisait de la rééducation, tout ça, deux, trois fois par semaine, trois fois la rééducation. Donc quand il a fait l'AVC, c'est là que ça l'a ratio comme deux AVC à être mort. Il y a comme un ou deux AVC à être mort, donc ça l'a un peu, ça l'a un peu affaibli, ça l'a fatigué. Ça l'a fatigué. Donc deux AVC. Deux AVC, c'est ça. Oui. Des Guinéens, avant qu'il parte, qu'il repose en paix, il a fait aussi un AVC à l'hôpital. Et ensuite, il a fait trois arrêts cardiaques en même pas 45 minutes. Et le dernier arrêt cardiaque, il est parti. Il était 23 heures. Voilà. مي اسك ديكوفرين دوتر مالادي خاطر نقال باركنسون تقارن بلي كي لكن مي اسك دوتر مالادي دو فان نو 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 دوت مالادي با بلوس كو سا il était suivi parce qu'il avait oui il était suivi parce qu'il prenait des médicaments voilà pour Parkinson mais aussi non il était en bonne santé il avait une super mémoire il se rappelle de tout c'était encore une bibliothèque vivante il aimait s'entourer beaucoup des jeunes parce qu'il a des petits-enfants. Eh oui. Il l'entoure à Ebelle. Il aime les enfants. Voilà, il aime les enfants. Il a toujours grandi avec une grande famille qui l'entourait. Et c'est quelqu'un qui adorait partager des moments, qui aimait sortir. C'est quelqu'un qui aime beaucoup sortir. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et même s'il n'était pas en plénitude de sa santé,
il demandait à ses enfants, déposez-moi au café. Il adorait le café parce que le café, c'était les parties pour lui de domino, d'arsar. Il Les aimait rencontres échanger avec les les gens du rencontres, les village, villages. voilà. Il aimait, voilà, il aimait cette fusion avec Alaoutmurtis. Il adorait ça. Et des choses d'écart au Sénégal, est-ce qu'il y a aussi une explication? Il a toujours cet espoir, quand même, c'est un homme courageux. Non, il était très fatigué. Même, il pouvait pas se déplacer tout seul, il pouvait pas se lever. Il fallait toujours quelqu'un à ses côtés. Il fallait. Il a senti. Oui. Et il disait toujours que il est en train de il s'immanise comme une Il petite s'éteint comme comme une une bougie. bougie. Je m'éteins un petit feu. Tu vois, il le disait, Il le il est disait. aussi manis. Si, si. Ouais. Il Mais sent. même que vous avez à gauche, est-ce que quand la voix dit Karel, Gosmith il lâche chez toi. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Oui. Oui, c'est vrai, il lâche Jiménez depuis la mort de ma grand-mère, c'est vrai. Il s'est laissé aller. Il avait plus le goût à la vie. Mais Chemzik, Il manquait manquait un quelque chose. pilier. Voilà. Il manquait quelqu'un qui était Il se laissait aller. son Ouais. porte-bonheur, qui était son Et il accompagnement, le qui était dit, plus que hein, sa depuis mère. que ma mère elle est morte, C'est plus je suis que plus sa le même. maman. Il n'était plus le même. Parce qu'il avait, il a grandi au Gsitsé, au Gdimès, donc il a grandi avec elle. Au coup les combats, ma grand-mère elle a assisté. Au coup les combats, tu commences à me donc il avait trop l'habitude d'être avec elle. Il était habitué à sa mère. Les inséparables. Donc, Elle était partout avec lui. partout elle était avec lui, donc même les combats. Tous ces combats, elle était là, ma grand-mère. Et Le comme seul 20. combat, c'est quand elle est partie en cachette contre Morvan Aglaire. Il y a comme 27 combats, Partout. deux ou trois défaites. Les trois défaites, Yachit, elle n'était pas là, ma grand-mère, elle a perdu. Voilà. Waouh. Sinon, que les Ah, combats, justement, il a fait 27 combats, il a 27 13 combats combats professionnels, par c'est KO et il ça. y a 3 défaites. Donc, C'est il y a ça. 3 Trois défaites défaites, d'Exahamane ou Yachit Yachimès. Simas. Yachit Simas. Et les trois combats, il y a ça. Après, Hadja, Non, Hadja. c'était une personnalité. Justement, il Ah a ouais. dit Ouais. que quand même C'est vrai. une cédère du technisme. Ah oui, parce que Ouais. par sa petite taille, c'était une très jolie femme, Ouais. avec Isharat, toujours habillée, Kabyle. Randolph Ah, al-Rawayel. Kabyle. C'était la vraie Kabyle, avec ses bijoux, Ouais. avec sa tendresse, son sourire. Et c'était une guerrière. C'est une personne qui a fait la guerre d'Algérie, qui a été emprisonnée, qui a perdu 8 garçons. L'Ossif, c'est son garçon C'est le premier. qu'elle a réussi à avoir. Elle a deux autres filles, Nalkaïssa, Natounsia, qui l'entourent. Et elle, c'était sa force mentale, c'est son cerveau. C'est où il va, elle pense, elle voit. Elle a une force incroyable, cette femme. Elle monte sur le ring, elle est partout. Elle est partout. Comme on dit, c'est son porte-bonheur. C'est comme on peut dire en Kabyle, le porte-bonheur, c'est. C'est un zen sad. Ah ouais, t'es vous en sad. Franchement, il n'y a pas une porte où aller que les portes s'ouvrent pas. T'es pour la lit, Yiddes. Il se voit, Ah c'est oui, vrai. il n'y a pas à dire. Et partout où on allait. Hein. Ah. Et Nsa, quand il marchait avec sa mère, il n'avait pas besoin de garde du corps, il n'avait pas besoin de qui que ce soit. Il marche partout en Algérie, à n'importe quelle heure, Yiddes. Protéger. Franchement, Zelgez. C'est une femme, mais Tif Mais quand même, la Matrash. nature, quand elle venait de Moukoul, les années 70-80, ça m'a rappelé le Kouveil, mais Ça. de Tarzal et Tabou, en même Ouais. temps, Et moi je souhaitais, et ça fait longtemps, on en a déjà parlé, Kamel, quand on est parti à Alger avec Zinedine Zidane. J'avais dit, il faut lui rendre hommage. C'est elle qui a émancipé le droit des femmes, la liberté des femmes en Algérie et en Kabylie. Ça a été la pionnière. C'est celle qui a dit, il n'y a pas de tabou, c'est-à-dire que les femmes peuvent rentrer dans n'importe quel lieu ou n'importe quel site, sur le Harman Seut, sur le Respen Seut, sur le Farh, sans problème. C'est qu'aujourd'hui, quand on voit des femmes dans des galas de boxe habillées en robe berbère, c'était elle la C'est vrai. première. J'ai pas vu une autre femme dans les années 70-80 rentrer à l'Orassi, rentrer au restaurant, rentrer au stade de la JSK, parce qu'elle était surportrice de la JSK. Ouais. Elle a fait même les déplacements au Cameroun, elle a porté la Coupe d'Afrique, elle était sur le terrain.
C'est une femme qui est unique. C'est la première femme qui est à le stade de GSK. C'est Nesmina, la première femme qui est sur les rings. C'est Nesmina, la première femme qui voyage avec son fils un peu partout de sa gueule. Oui. C'est Nesmina, c'est la première. Franchement, c'est une femme formidable. C'est une grande femme et je pense que même en Algérie, on n'a pas su lui donner la dimension, parce que Cham Jahed en plus, on n'a pas su donner autant de valeur qu'elle mérite, parce que je pense que même les femmes algériennes, beaucoup se reconnaissent et ont pu faire se libérer grâce à cette personne. C'est que Nesmina, donc l'osif, سميس الوصيف باش كي ني غترثيت في الموت وتروح على تاوي وتسكيس داك اسم اللونيس ها ساعه سين اسمه الوصيف هذا الوصيف ها الوصيف نعرف اللونيس الوصيف après il a aussi beaucoup de surnoms loulou loulou pour les intimes tantoné ouais tantoné ça c'est mal elle l'appelait comme ça parce qu'il paraît qu'il y avait une semoule à l'époque qui coûtait très cher c'était la meilleure semoule dans les années 40-50 en Algérie Vermion et c'était Tonton et donc elle appelait Lounis Tontoné. Voilà. D'accord. Et sur non. خمس ممن تدقي على فليس مزور. لا يس لا يس سقمس الخير ازق دقي ند استكسغاره حي ما يفر 10 سنين 11 سنه باش يتمتت رمي انا زا راكونتي سا لا في عطيتو شاغيني قمرت ورا مازاليت dans l'oreille de mon père. Il a une trace. C'est pour ça et ça a le, même là, il n'y a pas longtemps, ça a toujours le trou dans l'oreille. Alors, tu sais, je mets une semaine, quand même, c'était un poids de porter un athéisme jidem, Bien sûr. Alors, la raison de vivre, alors que c'était un père le papa, Après, Nesmina, c'est celle qui a rassemblé la famille. C'est au-delà de la famille Hamani, c'est celle qui va rassembler la famille Djoudrez. Qui est son nom de jeune fille, les Kaber, les Warani, voilà toute la famille de Tzdoukyun. C'est-à-dire qu'elle, c'était le pilier qui rassemblait, c'est-à-dire qu'elle faisait des repas familiales, elle faisait l'ourel. Je me rappelle des soirées qu'on faisait rue d'Isli. Les vacances aussi. Rue d'Isli, elle faisait venir aller. Elle se disait, ah, Sagan, elle adorait les fêtes, elle aurait l'ambiance. Ah, Sagan, l'onis, ansi, oui, rabah, asmadi, adé. Et Takfarin, elle l'appelait Takfa Founes. Takfa Founes. Elle dit, ah, Takfa Founes. Ah, des doigts d'irni. Sagan de l'anniversaire de Belaïd, on va lui faire ourel. Il y avait Hamidouche aussi. Hamidouche, Maatoub. On faisait des galas, on était une cinquantaine dans l'appartement privé. Et soit Ithmour Telkhvayel, soit Irudizli, à Alger. Et elle faisait. Elle aimait. C'était une bonne vivante. Même l'Ossif, le Siaf, il bout chez toi, Harimas. Même l'Ossif, c'était un bon vivant. Il aime l'ambiance. Ah oui, beaucoup. Il adore la musique kabyle. Oui. Il est très attaché. On va rendre hommage à des artistes avec qui il a partagé beaucoup de moments. C'est Lounis Maatoub. D'Alonis. Franchement, il allait au stade avec lui, il venait à ses galas de boxe, ils ont partagé beaucoup de moments. Beaucoup de moments, il dit. Lounis Atmengelleg. Il aimait aussi, Simina. Akli Yahyaten. Akli Yahyaten, il aimait beaucoup aussi. Ouais. Même si la nouvelle génération, il les aime parce qu'il aime la musique en général. Après, il avait aussi une sensibilité aussi pour les chanteuses, les femmes kabyles aussi, les femmes berbères. Ouais. Il y a Yasmina. D'ailleurs, dernièrement, elle est venue à la maison le voir. Et on a eu un coup de fil de sa part, comme qu'elle était en Algérie et qu'elle nous attendait. Il y a Karima aussi, la chanteuse, il aimait bien. Et Massa Bouchafa. Alors, justement, l'attachement à la culture berbère, c'est quelqu'un qui a un attachement, il est fier de sa culture, et il la revendique pleinement, même en dehors, parce que
Il a revendiqué en dehors d'un des Oulachetas. Bah lui, il l'a toujours fait. Lui, ça a été visible. Ça a été visible ce qu'il faisait. Il ramenait sa mère qui était un porte-drapeau kabyle. À elle tout seule, c'était le drapeau Mazir. Elle était en robe kabyle. Elle trouvait même un rom, mais elle n'avait qu'une langue. C'est la langue maternelle. Elle va voir un gendarme, elle va voir le ministre, elle va voir le président, elle parle qu'en kabyle. Et lui aussi, il en était fier, et heureusement. Parce que je pense que sans sa mère, il n'aurait jamais eu sa carrière. Aujourd'hui, si Lucie Famani est une icône, l'une des plus belles icônes algériennes et internationales, parce qu'on va parler aussi des personnalités qui l'ont suivie en France ou à l'étranger, c'est grâce à sa mère aussi et son talent. On ne va pas mettre de côté aussi son talent. Bah oui. Parce qu'il a quand même beaucoup travaillé, ça a été beaucoup de sacrifices pour arriver où il en est. Alors, juste une question de curiosité. C'est quand même le combat contre Aguilera, c'est un combat mythique. Quand même mythique. C'est quoi l'histoire? C'était dans les préparations, c'était, enfin, c'est un combat qu'il ne devait pas faire. C'est ça. Ouais, il était mal préparé. D'accord. En même temps, c'est mal tombé parce qu'il dit non, il était en train de construire sa maison en familiale. Construction, oui. Construction. Les travaux, la construction, qui s'occupe du ciment, qui s'occupe des salariés, qui s'occupe les chantiers, Nasmina. C'était une femme responsable. D'accord. C'est elle. Lounis, il avait la partie sportive. Mais tout ce qui est Idrim, les soucis, c'est elle qui portait tout. C'était Mémé, ouais. C'était Mémé qui portait tout. C'était en quelle année, contre Aguilera? 80, non? 1980. C'est en 80, 1980. Oui, c'était en 1980. Et donc, il se prépare mal parce qu'il est allé. On lui dit, il y a une grosse opportunité. C'est d'aller aux États-Unis combattre pour un championnat du monde. On va dire la chance se propose qu'une fois, il se prépare en 2-3 mois, en vrai une préparation c'est minimum 6 mois, c'est ça. Parce qu'il faut faire des sparrings avant, les sparrings c'est des préparations, c'est des oppositions face à des boxeurs aussi de talent, il ne fait pas ça, il y va amoindri, après le résultat et ce qu'il est, ce n'est pas le plus important, le plus important c'est l'ensemble de sa carrière, c'est tous les beaux combats qu'il a fait. Les trois combats qui ça ou les Nasmina. Est-ce que les trois combats sont injustificatifs? Est-ce que psychologiquement, est-ce que pour cette scène, ils arrivent les mouvements derrière, mais c'est quelque chose qui ne va pas? Je pense que je pense que ça le motive encore plus, ça lui donnait plus la rage. Ça lui donnait. Mais les trois combats, le premier combat, c'était en début de carrière. Il n'est pas venu au Yachitizalagarashogar. Et le deuxième combat, je ne sais plus c'était quoi. Le troisième combat, c'était contre Marvin Aguilera. Donc elle n'a pas pu venir. Ça a été travaillé chez Goukham. Et il était mal préparé. 2 ans, il boxait là. La préparation, c'est l'arbitre. C'est l'endroit de. Normalement, il devait boxer au Madison Square Garden. Ils ont changé l'endroit. Vdnes les rings, vdnes les arbitres, kulesh. C'était un peu. Les cordes étaient détendues. C'est ça. Il y a eu plein de choses. Mais après, tu combats aux États-Unis. Peu de gens gagnent aux États-Unis, surtout à l'époque. Après, il ne faut pas oublier que sa mère, c'était sa première supportrice. Exactement. Au-delà d'être sa mère. C'est pour ça que ça dépasse. Ça dépasse. Sa mère, c'est vrai, mais c'est sa première supportrice. Et quand elle rentrait dans les vestiaires, à chaque fois, il avait une petite larme avant de monter. Parce que c'est une fierté et pour lui, voilà, c'est comme s'il partait à la guerre. Quand tu montes dans un ring, c'est pour gagner. Et j'ai aussi des petites anecdotes parce qu'à chaque fois que je voyais Rachid, quand on faisait les championnats d'Algérie ou les championnats d'Afrique, je parlais toujours de sa maman aussi à Rachid. Il n'y a pas une fois que je n'ai pas parlé de Nashua. J'ai dit, ce que tu fais aujourd'hui, c'est pour ta mère. Ce n'est pas que pour toi. Tu fais ça pour toi, pour ta famille, mais ta mère, c'est très important, Rachid. Alors justement, il y a un point, mais de la fin, je fais à la recherche un grand homme et une grande femme. Même dernier Thantothis, il est beaucoup dernier pour l'aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure à ses enfants. Si vous lisez le dernier livre de Fred Hermel concernant Zinedine Zidane, il a fait un portrait. Les premières pages, les premières introductions, c'est si je suis arrivé où je suis aujourd'hui, c'est pour ma femme et grâce à ma femme et mes enfants. Et Nashua, elle a fait beaucoup. En fin de compte, c'est la femme des coulisses, c'est la femme invisible,
c'est la femme qu'on ne voit pas, c'est la femme qu'on n'entend pas, mais elle a une place énorme dans la maison, parce que si aujourd'hui les enfants, et j'en suis fier, on va citer tous les garçons et les filles, Belrid, Linda, Samir, Simina, Rachid et Kaina, avoir six enfants dans une maison à gérer, quand le mari est aux quatre coins du monde ou sur des galas, sur des compétitions, ben il faut le faire. Et El Koura, ils sont bien éduqués, Arben, je suis fier d'eux, c'est des belles personnes. C'est que c'est une femme qui a dû faire des voilà, elle a fait beaucoup 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 pour Delonis aussi. Alors, justement, quand même un sportif de haut niveau, il est absent dans le programme, les compétitions, etc. Le vide, en réalité, en HVR, il a joué le rôle du père et de maman en même temps. En même temps, oui. Niman, elle n'aimait pas trop la boxe, elle n'aimait pas trop venir voir les combats. C'est quand même, tu prends des coups, c'est violent. Elle avait peur, c'est en violent, fait. Ouais. Mais c'est vrai que. Elle avait besoin de s'occuper des enfants. Même des fois, mon père, quand il rentrait à la maison, c'est elle qui lui préparait à manger, c'est elle qui lui faisait à manger, tout ça. Donc, c'est vrai que... Et après, il avait un régime particulier. Oui, il avait des horaires particuliers. Il se levait très tôt pour faire ses footings le matin, à 6h du matin, quand il était boxeur, à lui préparer ses œufs, à lui préparer... Voilà, il y a tout un truc, tout un rituel. Quand il rentrait, il fallait lui faire le bain des pieds. Nous, les enfants, on était tous... Alors, il adorait aussi, il avait deux passions. C'est la chasse. La chasse. Mm-hmm. Ouais. Il adore la chasse et la nature. La nature, c'est un enfant qui a grandi tête d'earth, Miss Tête d'earth. Donc, il adore la chasse. Moi, j'ai eu la chance de faire deux fois avec mon père, Voussad, mon papa. Ah. Et c'est gentil. Et Khayoul Hajj. Et Khayoul Hajj. On a fait des chasses, Ithmourth, et il adorait ça, quoi. Il adore prendre son fusil, aller à la chasse. Ça le libérait, ça lui faisait du bien. Et le cinéma. Il aime beaucoup le cinéma aussi. Mm-hmm. Il adorait le cinéma. Et nous, je sais qu'on était tout petits. Il avait tout... Depuis les années 70, lui, il avait une télé. Il y avait des gens qui n'avaient pas la télé. C'est un ami avec Alain Delon. Oui, parce proche. C'est une amitié mouqara. La plus grande amitié qu'il a, c'est avec Alain Delon. Alain Delon, oui. Belmondo qui venait, il y avait Gabin, il y avait Lelouch, il y avait tout le beau Paris qui venait. Mais c'est surtout lui parce que avant ses combats, c'est lui. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé, mais Alain Delon travaillait beaucoup avec les promoteurs parisiens et c'est lui qui finançait les entraînements. Ouais. Le camp d'entraînement qu'il avait à Butier, pas loin de la forêt de Fontainebleau, il avait un hôtel là-bas, Alain Delon avec piscine et spa, et Lucif allait s'entraîner là-bas. Et il y a deux personnes aussi de la famille qui l'ont beaucoup aidé, c'est Damehna et Saïd Hamani. C'est des gens voilà, qui l'ont accompagné, qui l'ont aidé très jeune dans sa carrière. Alors justement, Adam Sriaf, l'Ossif, Mdhan, l'Ossif d'Akhil Boukham, etc. L'Ossif le boxeur, l'Ossif d'Anatik le papa. Mais qui du féministe un boxeur, comment il a choisi le sport de la boxe? Alors que c'est un sport qui n'est pas vraiment connu au Warna, mais certes, c'est aussi le zikr de la guerre française. Il est arrivé tôt. Le sport à Guinée, il a bagarre. À l'école, il n'arrêtait pas de se bagarrer. Il a bagarre, donc il se bagarrait à l'école. Et l'entraîneur, il était tessonnière. Il l'a repéré dehors. Et il a sorti de la boxe. Et donc, il est parti s'entraîner. Au début, le père et mon père, il ouvait du coup la boxe. Il a dit, tu ne fais pas de boxe, tu restes à l'école. L'école. Ouais. Et il faisait de la boxe, à l'entraînement en cachette. C'est comme la boxe en cachette. D'accord. Et puis, comme la compétition, je ne sais pas, il a eu comme le championnat, il a eu le championnat. Et puis, il a eu le cas où j'ai dit, il aurait le journal, il a vu mon père sur le journal. L'article. Et c'est comme la boxe en cachette, il a. Et en bas de. Ah ouais. Il met ça. Et en bas de, il a eu le cas, pourquoi tu fais de la boxe en cachette, ça c'est. Ils se sont engueulés, tout ça, et c'est ce qui l'a aidé. C'est une fesse, elle dit comme la boxe, c'est comme ça que, heureusement que tu l'as cité pour le défendre. Donc, Nesmine Khasek est née dans la boxe, mais Khasek est accepté. Elle a accepté. Alors, c'est normal que Veves Deblaïd, il n'ait pas accepté parce qu'il travaillait à l'usine. Quand tu travailles à l'usine, tu sais que c'est très dur. C'est très dur. Donc il se disait, moi la seule, et à l'époque c'est vrai, quel sportif algérien
pas brillait, soit dans le football, soit dans le sport en général ou dans la culture. Ouais. Ça n'existait pas. Loussif, c'est un pionnier. Ouais. C'est le premier Algérien. C'est vrai. Et pour lui, la seule façon de s'en sortir, c'était l'école. Donc il voulait le pousser, il pensait que son fils allait être médecin, avocat, notaire. Ouais. Il fallait s'en sortir. Et lui, il travaillait chez Ron Poulenc à Vitry-sur-Seine. Ouais, c'est ça. Ron Poulenc. Et quand il a appris la boxe, pour lui, la boxe, c'est un sport de chiffonnier, quoi. Ouais. Il va prendre des coups, il va se blesser, il va. Et en fin de compte, le chemin l'a emmené avec. Alors, il y avait aussi des gens de chez nous, Micheline Atiria, qui boxaient avec lui en jeune. Il y avait Adoum, la famille Adoum, le Khelal. Il y avait Nazef, Mohan Saïd, qui boxaient, qui étaient des gamins de Choisy-le-Roi, avec qui il allait à l'école. Et ils l'ont accompagné tout au long de sa jeune. Ouais. Mais tout le monde disait qu'à la salle, c'était un phénomène. C'était un phénomène. Mais est-ce que Wesmir Ladamistouh, est-ce qu'il a dans sa tête un rêve? Est-ce qu'il a dit qu'il va aller loin? Du coup, c'est un boxeur professionnel, il a fait un juste par amour. Après, c'est vrai qu'il avait un don, ça a le don. D'accord. Il avait un don de la boxe, c'est-à-dire que les boxeurs. On est tous des boxeurs, ça a deux bras, deux jambes. Mais en fait, il y a des boxeurs, des fois, ça a la boxe dans le sang, et ça a le don. Donc il avait un don, il aimait ça. Il est né, on dirait qu'il est né avec la boxe. L'entraîneur Tessonnière, quand il l'a vu, c'est pour ça qu'il n'a pas lâché. Coulesse, les entraînements, coulesse. Et même Tekoy, il dormait chez Tessonnière pour racheter quoi, c'est comme les régimes. Il faisait des régimes pour être au poids. Strict. Et il dormait chez l'entraîneur. Pour être au poids. Il se dit, comme ça, il ne mange pas, comme ça, il est au poids. Il avait des modèles, en fin de compte, les modèles à l'époque, parce qu'en France, il y avait des boxeurs. Cerdan qui montait haut, mais les vrais modèles, c'était les Américains. Ouais. Et quand on regarde des vidéos, là récemment, des reportages français, c'est que le modèle, on dirait un Américain, un Afro-Américain. Oui, les photos. Quand tu vois la coupe, les coupes qu'il a, tu vois, on dirait un Afro-Américain. Le costume, il allait à l'entraînement comme s'il allait au travail. Il va à l'entraînement en costume, cravate et le sac. Donc c'est vraiment. Et pareil, pour la pesée à l'américaine. C'est-à-dire que les modèles, c'était ni les modèles français, ni algériens, américains. Ouais. Et les plus grands, après, oui, il a pu rencontrer Mohamed Ali. C'est Mohamed Ali qui voulait rencontrer Loussif. C'est Mohamed Ali qui est venu. Ah, ça c'est bien. C'est Mohamed Ali qui est venu en France. C'est lui qui est venu au Palais des Sports. Donc Mohamed Ali qui a cherché des Arhabani. C'est ça. Ah ouais, c'est fou parce que alors Mohamed Ali s'est converti parce qu'il est devenu musulman. Ouais. Il savait que le plus grand boxeur africain était Loussif Amani puisqu'il a eu le Gant d'Or africain en 2005. Ça. Et il s'est dit, et lui, il voulait se rapprocher de l'Afrique et de l'Algérie. Et il savait que Loussif boxait en tant qu'Algérien en France. Et donc, il est venu au Palais des Sports pour le voir. Et de chez là, Mohamed Ali, Loussif Hamani, est-ce que vous avez raconté ça, C'était, en fin de compte, c'était rapide. Tu vois la photo, c'est la photo. Et bah, voilà. En fin de compte, il était fier qu'un Algérien puisse briller. Sur le rang mondial, parce que lui, ce qu'il voulait, c'est que, alors, il avait un combat, Mohamed Ali, c'était combattre le Joe Frazier, contre Foreman. Il y avait des grands combats, et en même temps, il avait aussi une idéologie de paix. Et il savait que Loussif était aussi en Algérie, et qu'il avait des valeurs, et c'était sur ça, surtout, qu'il partageait. C'est le sens des valeurs qu'il partageait. Voilà. الا خونا نتوحوا ثلاثه قيمتي هنا مازال ندوا على كيما تاس بوال مي تجمي تتموري لو صيف حماني غد فلاس يا عفو يرحم ادم ولي تذلل سينا كنا ندوا على نكمل ذاك وحريش وسين أكاد نغلى نكمل أول ديما تجميل تي لوصيف حماني لو كذا ورويس سمينة حماني لو كذا رشيد حماني لو كذا نتيك خالص وكذا محمد وهراني ثلا سمينة فغانيسين لوصيف حماني أفافات لو بير يمكن كيا لوصيف حماني داخل البخان سيتي أن بير جونتي ستريكت أوسي دون لي زيتود dans l'éducation qu'il a eue avec nous, et aussi était juste. C'est-à-dire, avec ses enfants ou ses neveux ou les autres enfants, il ne faisait jamais de différence. Ça veut dire, ce qu'on mangeait nous, c'est mes cousins, ils le mangeaient, mes cousines, toute la famille. Où on allait,
en vacances ou en sortie, les galas, c'est les enfants et ses neveux, tout le monde. On était 20, 30, les enfants, nos enfants, les enfants à sa sœur et à son autre sœur. Et les Warani aussi. Et il était un peu sévère avec nous, parce que nous, quand on se rencontrait, c'était... On faisait beaucoup de bruit, ça, quand on arrive à un gala de boxe, quand on arrive à un gala de Ma'toub, bah nous, on était heureux déjà de se retrouver, tu vois. On avait voilà. 7 ans, 8 ans, 10 ans, qu'on était très jeunes. Mais lui, il était toujours fier de sa famille. Et on allait à un mariage, par exemple, on allait à un mariage et Gougnik Saoud, ou à Tharqa, ou Goufef, toujours la famille, toujours, complet. On arrivait, on savait qu'on arrivait à 30. Et à Fourgo, 9 places, il a changé la carte grise, il a mis 30 places. Il a enlevé les banquettes. Oui. Il a enlevé les banquettes de derrière. Et quand ils venaient tous en vacances, on montait tous dedans. C'est à Camus, il avait un berlier, parce qu'il avait aussi une entreprise de bâtiment à l'époque. Il faisait du transport de marchandises. Il avait un camion, il conduit le berlier, il nous faisait monter tous derrière. Avec vous. Rachid, si tu veux dire que tu veux vraiment être la boxe, est-ce que vraiment être la boxe parce que David Wynn c'est un champion de boxe, sur les traces de votre père, non, c'est qu'on est encouragé, on a qu'on est encouragé, c'est un peu là. D'abord, c'est Samir Roman, mon grand frère qui a commencé à faire de la boxe, il a suivi mon père. C'était un grand boxeur, donc il voyait que les vidéos, donc ça lui donnait envie de faire de la boxe. Et alors, il a choisi le roi et boxe de là. Et après, j'ai choisi Samir. Il passe l'air Goukham, donc j'ai fait mes entraînements de là avec mon frère. Et l'entraîneur, il était mort. Non, il n'était pas mort, il avait arrêté l'entraîneur, il était vieux. Et après, il a commencé la boxe à Kage pour voir, pour essayer, après ça m'a plu. Après, j'ai vite progressé, j'étais champion de France à l'âge de 14 ans. Après... Qu'est-ce que tu dis avec Vavek? C'est que Vavek, Kharid, des fois, tu ne bouges pas beaucoup. C'est un grand technicien. Il aime bien danser, il aime bien bouger. Sa force, c'est la danse. C'est-à-dire qu'il bougeait partout. Les mouvements, tout ça. On l'appelait le fantôme. C'est ça. Son surnom, c'était le fantôme à Lucif. C'est-à-dire qu'il avait des esquives, il avait un jeu de jambes. C'est ça. C'est-à-dire que même quand tu pensais le toucher, il était déjà derrière toi. Est-ce que la boxe le style de Mbavek, ou le style de Mbavek, ou c'est le même style? On a tout fait des mains ou on a checké, parce que quand même, c'est un peu hybride. Ça c'était que les gars ont fait de la langue. On va dire, Samir Mkoran, il a un style un peu de mon père, bon après Dveva, il nous a donné, on a pris un peu son style. Mais après, c'est vrai que c'est différent. Il y en a qui me disent, qu'il aime boxer, il y en a qui me disent que j'ai un peu le style de mon père. Donc, après la boxe de la boxe nzih, mais c'est qu'il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements. Donc, mais on a pris un peu quand même du style de mon père, parce que le style, c'est un très bon style. Le style, c'est un styliste. C'est-à-dire qu'il faut toucher, il y a Mohamed Ali, comme il dit, Mohamed Ali, toucher sans se faire toucher. Voile comme un papillon, puis comme une abeille. C'est-à-dire qu'il faut toujours garder son beau visage. Il ne faut pas aller à la bagarre pour. Voilà, il faut prendre du plaisir. Je suis des conseils avec Ditsek. Il sait que les conseils, c'est quoi? Il dit, tu pourrais me donner des conseils. Il m'a dit, il faut que tu bouges bien, il faut que tu bouges pas assez. Il me dit, il faut que tu bouges, il faut que tu esquives. Après, il faut le travailler à l'entraînement. C'était un grand feinteur. C'est-à-dire qu'il avait toujours son épaule avant qui bougeait et qui faisait croire qu'il va enchaîner. C'est-à-dire qu'il faisait toujours peur avec sa première main. Et il disait à Rachid, joue avec ton adversaire. Tu joues. Enfin, c'est comme un jeu avec comme en escrime. Tu crois que tu vas te toucher, mais il te touche pas. C'est lui qui te touche quand il veut. Donc il y avait un jeu. Est-ce que il a des regrets le serveur dans sa carrière qu'il n'est pas, j'aurais dû faire ça, ceci, cela. Est-ce qu'il garde quelque chose? Il a toujours voulu, mais après il n'avait pas le temps, la force. Il a toujours voulu ouvrir une salle de boxe. Ça, ouais, c'est vraiment sa passion. Ouais. Alors, pas comme coach, mais juste accompagner, parce qu'il aime les jeunes, il aime donner les conseils. Il aime parler, ouais. Quoi. Il aime, voilà, ça oui.
ouvrir une salle de boxe. Après, c'est vrai que en Algérie, il n'a pas été aussi soutenu à un moment, peut-être par les organismes de la fédération ou par le gouvernement. Mais ça lui tenait à cœur. Peut-être Rachid, tu vas la faire. Tu sais, ouvrir une salle ou peut-être tu vas ouvrir la salle. Échanger avec les jeunes, transmettre son savoir. Parce qu'il y a beau, parce que quand je vais en Algérie, il n'y a pas une salle de boxe, surtout Ithmouth, où il n'y a pas son poster. Où vous allez partout, bah, je ne parle pas de Choisy ou d'Orly, mais Ithmouth, il a été un exemple pour beaucoup de boxeurs en Algérie. Il n'y a pas, une salle où il n'y a pas le poster ou une photo de l'OSIF. En même temps, c'est un fédérateur, parce que les artistes kabyles, ça fait toujours avec les grands artistes, les hommes politiques, c'est quelqu'un qui a Ça c'est vrai, parce que quand on voit Dalhousine, quand on voit même à la présidence, il a été souvent appelé à la présidence Boumdjoune. Boumdjoune, il savait qu'il pouvait compter sur lui. Je ne parle pas des autres présidents, mais c'est vrai que soit auprès des artistes ou des sportifs, il avait une reconnaissance. Parce que comme je dis, ça a été le pionnier, ça a été le premier. C'est lui qui a fait le grand travail en Algérie. C'est lui qui a été le premier à porter le drapeau algérien aux États-Unis, en France. Donc quelque part, voilà, c'est le premier homme à avoir marché sur la Lune, quelque sur part, la Lune, pour l'Algérie. Donc c'est lui, c'est Loussi Famani. Il n'y en a qu'un, je n'en vois pas d'autres. Est-ce qu'ils restent le poids quand même des années 70, Loussi Famani, GSK, c'était derrière toute une nature, quand ils rachètent une différence, ils restent que c'est le poids qui s'arrête de faire le Waroulis, Franchement, tout ce qu'il a fait, il n'a jamais calculé, c'est toujours par amour. Ça n'a jamais été l'argent qui l'a guidé. Il a été toujours proche de son public, du peuple algérien dans son ensemble. Il n'y a pas un endroit des Hvesera, des Revtmurtis, Nenes, Hvesalounis, la photo, il était invité à je ne sais pas combien de mariages. Il allait partout. Il allait partout. C'est un timbre, c'est une mascotte algérienne, c'est un monument algérien, le Sif Amani. Il était invité partout. Partout. Que ce soit Wahran, que ce soit Stif, partout, partout. Et toi, au-delà même de la Kabylie, d'Akhamis. Et toi, c'est à l'échelle mondiale. Et même international, parce qu'on sait que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis, que ce soit partout, il n'y a pas un endroit où. Alors, il avait aussi des boxeurs modèles, parce qu'il nous parlait souvent, moi je sais qu'il me parlait souvent de La Hoya. Ouais. Il aimait beaucoup De La Hoya. Qui était un beau boxeur. Son surnom, c'était le Golden Boy. Il aimait beaucoup. Après, il a aussi des boxeurs qui... Ouais, il aimait beaucoup De La Hoya par rapport à son Rachin, ça a le style. Ça a le style un peu, la technique, il bougeait partout, les feintes. Il avait un peu le même style, mon père. Et son boxeur numéro un, et une fois, j'ai dit à mon père, j'ai dit, papa, c'est qui pour toi les boxeurs que tu aimes le plus? Il est Tsugaray Robinson. Tsugaray Robinson, c'est un boxeur des années 40, 50, c'est un très bon boxeur. Et il aimait beaucoup ce boxeur. Mais après, le boxeur qu'il préfère, mon père, comme tout le monde, c'est la légende de la boxe, Mohamed Ali. Mohamed Ali, c'est lui qui a révolutionné la boxe. C'est-à-dire que c'est lui qui a racheté les boxeurs, comme avant Mohamed Ali, ils boxaient marchands. Ça a le jeu de jambes, Koulché. Donc c'est Mohamed Ali qui a créé le jeu de jambes, les déplacements, Koulché. Donc c'est la légende de la boxe. Alors, il y a une personne qui a été interjumée, quand même, c'est son entraîneur. Parce que ça s'appelle Tessonnier ou Tessonnier? Tessonnier. Julien Tessonnier. Voilà. Quand même, il est pour beaucoup de choses, Loussef Hamani. C'est vrai que Nkine, moi, je l'ai vu, mais il ne m'a pas entraîné. Il a entraîné Houmam Kouran Samir, mais Oukmeddin Karan de Julien Tessonnier, c'est un très grand entraîneur. Il a formé. Il a eu beaucoup de boxeurs. Après, il a formé beaucoup de boxeurs à Choisy le Roi. Mais le plus grand boxeur à Choisy le Roi, c'est mon père. Donc, c'est vrai que l'entraîneur, c'est important pour un boxeur. Il est dans le coin, il lui donne des conseils. C'est très important d'avoir un homme de coin.
Mais qui de l'histoire qui reste avec l'antennes, comment est-ce que c'est l'antennes des européennes? Oui. Je pense qu'on l'a. Khajib avait Hamia Tass la bagarre. Hamia Tass la bagarre et se bagarrait beaucoup à l'école. Et puis il l'a repéré dans la rue. Il l'a repéré. Si tu veux passer à dire de la salle de boxe. Et ils se sont connus comme ça. C'était l'éducation par le sport. Et c'est vrai qu'à l'époque, dans les années 70, on n'aimait pas voir les jeunes traîner. Et même les mairies, les villes, dès qu'il y avait un éducateur sportif qui voyait un jeune un peu dans la rue diviguer ou jouer seul ou avec des copains, il disait, bah voilà, il y a une salle de sport qui est ouverte. Venez, venez, venez adhérer, venez essayer et après vous verrez. Et donc, le talent, c'est les talents de la rue. Hein. Ouais. C'est de la rue. Voilà. Je veux dire parce que quand même, Gimaki Amkoran, Samir, il travaille justement avec Toussaint. Est-ce que les gens peuvent se dire que c'est un peu avec Esmik Dadam Chitoua, quels sont les points forts, les points faibles, etc. Voilà. Si, des fois avec Samir, des fois, il me donne des conseils. Khachinta, il est plus grand que moi, il est plus grand que moi. Et tu crois que là, c'est Samir, donne-moi des conseils, comment boxer. Il me donnait des conseils, des bons conseils pour que je sois technique, tout ça. Donc, moi, on parlait beaucoup avec mon frère. L'entraînement, tous les jours à la salle de Choisir le Roi, tous les jours, du lundi au vendredi, et le dimanche, on a Hanazé. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup, les conseils, coaching, t'es quoi, tu vois, sa mère, l'entraînement, comment est-ce comme les entraînements. Donc, des fois, je prenais des techniques à lui. Et. C'était franchement Samir, c'était un bon boxeur à l'époque. C'est vrai qu'il a fait une belle carrière amateur, il a fait une carrière aussi professionnelle. Après, malheureusement, il a comme la Coupe de France. Et en bas de, c'est blessé. C'est blessé, couché. Donc la boxe, c'est un sport dur. Et justement, notre Semina, il m'a quand même ergué juste un boxeur, Erwis Francine, les boxeurs, et même la violence, etc. Et puis qu'est-ce que tu verras? Faites attention à vous quand ils sont dans les rings. Tchada aussi, Menouen, pour pas qu'ils rentrent blessés. Voilà ce qu'elle leur disait, ma mère. Ouais. Et le fait que Vavetouan, c'est un boxeur, et même si c'est des boxeurs, est-ce que c'est un sport. قد يقيم كما سكنون عطيك ولادك من قراصي ولادك هاتي بس على فيت تاكم لا بوكس شتا سمينا اه وي داكوا سي جي في جي في 3 ans de boxe moi aussi اه داكوا مي après j'ai pas suivi le chemin de mon père et de mes frères parce que c'était quand même un sport violent et au début c'était par plaisir j'ai dit tiens je vais essayer comment pour comprendre pourquoi ils aiment vraiment ce sport donc c'était par curiosité que j'ai fait ce sport là. Et j'ai fait ça pendant 3 ans et après j'ai arrêté. J'ai fait non, c'est pas pour moi ça, c'est vraiment un sport violent. Il faut être à fond, il faut être investi, il faut être toujours dans les entraînements. Et j'ai dit c'est une discipline de rigueur. Voilà, c'est discipliné, oui. C'est très discipliné. Alors, tu as vraiment droit, Smina. Je vais te dire comment il a fait la rigueur que ça avait même dans le Bukhane, etc. En tant que boxeur, etc., les spécialistes dans le niveau NS. Mais le papa dans le Bukhane, est-ce que tu es quoi? Il te stresse, il m'allait sur un combat, il a un peu tout à l'heure. Est-ce que le fait qu'on lui, est-ce qu'il te remet, est-ce qu'il y a des regrets, est-ce qu'il a aussi qu'à un certain moment, il a beaucoup donné, quelque part, il n'y a pas une reconnaissance. Il a acheté qu'il s'est fait des tarfs, et le père, c'est le père. Non, il s'est fait des tarfs. C'est-à-dire, quand il est à la maison, il ne parle pas de ce qu'il fait à sa salle de sport, il ne parle pas de ce qu'il fait de ses combats. À la maison, c'est à la maison. Fais pas ci, fais pas ça. Il aimait bien le calme aussi, c'est-à-dire quand il avait un combat, il fallait que ce soit calme à la maison. C'est-à-dire chacun dans sa chambre, lui dans le salon avec sa petite télé posée. Ou sinon on avait le droit de regarder les films. Voilà, on avait le droit. On avait le droit, mais... Pas un mot. Pas un mot, comme au cinéma. Silence, pas une mouche qui vole. C'est-à-dire qu'il met, on se met tous autour. Faut pas et on ne parle pas. Celui qui bouge, il envoie. Voilà. Il envoie, il rigole pas. Lui, c'est. Ah oui. Il aimait bien les films d'Alain Delon, Bebel. Il a joué dans un film aussi, Pierre Richard. Ah, quoi, il est c'était grâce à ta goutte, t'as la chose en elle, comment. Quand même, beaucoup d'acteurs d'Ebdoukali, c'est un bel monde, tu vois la photo, Alain Delon, c'est son meilleur ami, etc. Attends, c'est Ebdoukali, ça, c'est des acteurs. Un pic dans le monde du cinéma, est-ce que. Alors, il y avait Lelouch qui venait, qui était réalisateur,
Et il a toujours aimé la boxe, parce qu'ils venaient tous au gala, au palais des sports, au cercle d'hiver, donc il y avait les galas là-bas. Et en plus, le public, c'était que des Rambun à l'époque. Ceux qui prenaient leur ticket dans les années 70, si on voit les vidéos, il y a très, Français, que des Français. C'est la France. C'est vrai. C'était tout le Paris qui venait. C'était que des bourgeois qui venaient. Ouais. Pour eux, c'était un grand spectacle. Et quand c'était à l'affiche Roussif, c'était complet. Les billets s'arrachaient. Complet. Tout était complet. Et Lelouch a eu l'idée, parce qu'il bossait avec. Comment elle s'appelle, Mireille Darc et Pierre Richard. Ils avaient fait un film. Et dans le scénario du film, il y avait une scène, c'est sur un ring. Et Pierre Richard, pour gagner de l'argent, il voulait être, lui, boxeur professionnel. Et en face de lui, là, Lucy Famani, qui est un vrai professionnel. Et c'était marrant parce que dans le film, il y avait aussi des petits propos racistes. Ah, c'est pas l'arabe qui va gagner, c'est pas possible. Il faisait soi-disant des paris derrière. Et Pierre Richard, qui est pas boxeur, qui faisait du sport mais qui n'était pas boxeur, et Lucy Famani lui a moché le nez plusieurs fois parce que c'est un comique. C'est plutôt un comique. Mais Lucy est à la maison et même avec ses copains et en dehors est un bon vivant. C'est quelqu'un qui a tout. C'est rare que je l'ai pas vu sourire. C'est vraiment quand il y a un décès, il y a un vrai problème. Ou sinon, c'est quelqu'un qui aime la joie de vivre, qui a croqué la vie à 2000 à l'heure, qui est plaisant, qui a toujours un sourire. Parce qu'il n'y a pas une photo, on ne voit pas un sourire de Lucif. On peut regarder toutes ses photos. C'est rare. À part quand il est sur un ring, ou s'il y a un petit souci. Ou sinon, c'est quelqu'un qui est bien à vivre. Est-ce que le célibat, c'est juste une petite expérience? À un certain moment, le fait qu'il est entouré par des artistes, ou là, il va faire une carrière d'un artiste en parallèle? Franchement, je pense pas. Là, il y avait l'opportunité. C'était pour faire plaisir, je pense, à Pierre Richard et à Lelouch. Je pense, Et à Lelouch, parce qu'il faisait partie de leur public. C'est une façon de redonner ce qu'il a reçu, tout simplement. D'accord. Parce qu'il venait le supporter. Voilà. J'ai une anecdote de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, il va à la cafétéria au Palais des Sports. Et y en a un qui parlait mal de Lucif, tu vois. Ah, oh, l'arabe, parce que voilà, la France, même si aujourd'hui on a Zemmour, il y avait encore des gens qui parlaient mal de Lucif. Et lui il a vu le mec, il a dit, mais pourquoi tu parles comme ça? C'est Johnny, hein. Il a mis une tarte, hein, mec. Il a tarté le mec pour Lucif. Tellement qu'ils avaient du respect de par Dieu. Ouais. Beaucoup de gens avaient du respect pour lui. Hein. Il était vraiment très, 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 très respecté, que ce soit en Algérie et au-delà des frontières, comme je dis. En France, c'était quelqu'un de très respecté. Est-ce que, parce que je vais faire des questions un peu plus tardivement, est-ce qu'il pense que quand même parce qu'il a beaucoup donné, et le sport, c'est un homme soukadar partout, il donne des maras. Est-ce que Arthur Garibou tout d'artiste, il n'y a pas une reconnaissance qui s'est laquelle? Si, ça, il l'a senti, parce qu'il y a eu des années où on l'appelait pas au ministre, parce qu'il a fait beaucoup de choses. Il a travaillé au consulat, il a travaillé au ministère des Affaires étrangères. Ça a été l'un des plus beaux palmarès et sportifs algériens. Et c'est vrai qu'à un moment, personne ne l'appelait, quoi. C'est qu'il faisait. Alors, ça ne l'a pas dérangé, peut-être. Mais au fond, je pense que ça a dû le travailler. Ça le travaille, parce que quelque part, il a toujours été mis en avant. Ouais. C'est normal par rapport à ce qu'il a fait. Et à un moment, soit les ministères, soit la Fédération algérienne de boxe, soit. On l'a mis de côté, et ça, on ne pourra pas dire que ce n'est pas vrai. Et c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une place, on n'a pas une rue qui porte son nom, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas rendu hommage à sa juste valeur et à juste titre. Par rapport à ce qu'il a fait en Algérie, il n'y a pas un gymnase ou un stade qui porte son nom. C'est quand même assez bizarre. Je pense qu'il y a quand même, voilà, je pense qu'il y a je ne sais pas si je veux dire le manque de considération, ou est-ce que c'est fait... implicitement, ou si c'est un oubli, je ne sais pas. Après, qu'il ait une rue, une place, ou un gymnase, ou qu'on lui rende honneur, mais avant son décès, hein, c'est pas d'aujourd'hui ce que je dis. Hein. Parce qu'aujourd'hui, qu'il repose en paix, c'est pas aujourd'hui, nous, c'est pas ça, c'est pas ce qu'on demande, c'est pas le plus important. Mais je pense qu'on aurait dû lui donner une plus grande place en Algérie par rapport à ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a gardé ça, c'est juste à Wars? Non, il l'a gardé. Mais après, il gardait beaucoup. Des fois, il n'exprime pas. Des fois, il garde beaucoup en lui. Ouais. Il garde beaucoup en lui. Donc,
quand il est à la maison, des fois, il n'aime pas trop parler de ses sentiments. Des fois, il garde en lui. Donc, c'est pour ça que, comme il a dit, Momo, c'est vrai qu'il a beaucoup donné en Algérie. Il a beaucoup donné. Et il y a aussi, on l'a proposé plusieurs fois d'être français. Génialité, Alain Delon. Hamani, il faut que tu sois français pour être champion du monde. Tu vas être champion du monde, tu vas être français. Il voulait le financer. C'est dur de financer quelqu'un s'il ne part pas là. Ah bah, justement, je voulais vous poser cette question. Il est entouré par des personnalités connues bah oui, de France. C'est ça. Ah oui, c'est donc, proposez-nous de regarder à Romy Yogi. C'est ça. Yogi, il a dit, moi. Il n'a jamais accepté. Il ne peut pas parce qu'il avait toujours en mémoire sa mère et Khoïs. Khoïs Dimjoued. D'accord. Djoudres Larvé. Djoudres Hammo, égorgé par les parafrançais. Il y avait les sœurs aussi de Nasmina, Tetom et Narjohar. Il ne pouvait pas. C'était impossible. C'était impossible. Même lui, parce que Jdihmo, c'est lui qui le ramenait de temps en temps, parce qu'il était petit en France. Dès qu'il pleurait trop simès, il faisait des navettes. Donc, Itzawith de Paris à Alger. Et lui, il a grandi avec Royis aussi. C'est ça. Donc, il ne pouvait pas. C'était un point d'honneur. C'est un point d'honneur. C'est quelqu'un qui est vraiment de l'ancienne génération. C'est un homme de principe aussi. Ah oui. Il avait la fierté, il avait des règles et un principe. Ah oui, ouais. Il pourrait tuer quelqu'un pour quelque chose. C'est vrai. Ah oui, Daway, Daway. Il était droit. Il vole pas, il triche pas, il ment pas. Ça oui, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce vice. Et même pour ses enfants. Pas de problème à l'école, pas de problème dans le quartier. Ah non. Moi, on connaît des fois l'air Goukham, je ne pouvais pas parler de n'importe quoi avec lui. C'est-à-dire qu'il y avait du respect. Zef, le respect envers mon père. Regarde pas n'importe quelle chaîne. C'est-à-dire qu'avec mon père, je parlais de sport, de la boxe, je parlais de... Des fois, s'énerver, viens ensemble, va manger, mais... n'importe quoi que tu veux. Il y avait un truc qui bloquait, c'est-à-dire que le respect, tout le chien, donc... Mais c'est-à-dire, il y a le respect, mais il y a un truc, si quelqu'un, jamais, il affiche la nervosité, toujours souriant. C'est ça. Il y a des avis, il y a des qassars. C'est-à-dire, à qassars, c'est ça, c'est bien de good mess. Ah oui, toujours. Ben, c'est pour ça qu'il était aimé. Partout où il allait, c'est un mimes, ça saken dal farah. Il n'y a pas, voilà, ils ne viennent pas avec un aspect négatif, c'était toujours dans le positif. Positif. C'est-à-dire que même les gens, beaucoup de gens, ils les ont trouvés parce qu'ils avaient des problèmes. Soit de papier, soit au consulat, soit pour des rapatriements, soit pour des cartes militaires. C'est-à-dire que Loussif, il a fait... Alors, il n'en parle pas. Il n'en a parlé à personne. Il a rendu service aussi à beaucoup de gens. Soit Ithmoul, soit Dagui. Mais il n'en parle pas. C'est vraiment son jardin secret. Et ce n'est pas quelqu'un qui, même dans la vie, qui se la racontait. Ouais. Qui voulait briller. Il brillait par le talent. Et par sa personnalité, mais après le reste, c'est-à-dire qu'il va voir Damourvoun ou il va voir le président de la République, pour lui, c'est pareil. C'est pareil. Il n'y a pas de différence. Ouais, même les gens, ils le savent. Soit il Delt, il fait monter n'importe qui dans... Il s'en fout, dans la voiture, il s'en fout. Il avait une mail, je me rappelle, une belle Mercedes dans les années 80, et il ne donnait pas d'importance au matériel. Mm-hmm. Pour lui, l'importance, c'est les relations humaines. Et le respect qu'il avait pour les gens qui l'entouraient. Le reste, ce n'était pas important. Beaucoup de souvenirs, il y a beaucoup de souvenirs, j'ai même cru. Mais tu vois, par exemple, quelle est l'image de Tsouranatas Bevek, par exemple, à Kegitura? Il y a une image, c'est immortel, tu sais, il y aura beaucoup d'images, mais y a-t-il une image qui t'a vraiment marqué? Moi, l'image qui m'a vraiment marqué, c'est Yipos Nkinim Mshtoha, la boxe. J'étais en train de m'entraîner. Et Veve Rohad à la salle, ça m'a fait vraiment plaisir. Ça m'a fait de voir mon père à l'entraînement. Mettre les gants. Et ouais, ça m'a fait plaisir de le voir à l'entraînement parce que moi, malheureusement, il checkait les conseils, mais il ne m'a pas entraîné. Et Rohad Yipos à l'entraînement a choisi le roi. Ça m'a vraiment marqué. Et il a mis les gants au bout de sa mère. Il a boxé avec sa mère, il a fait un round avec sa mère. Et quand il s'est arrivé, il m'a boxé, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Et boxer avec sa mère même pas une seule, tout le round, il n'a pas réussi à le toucher une seule fois. Tandis que ça, il avait la cinquantaine.
Sa mère était boxeur professionnel. Il n'a pas réussi à le toucher une seule fois. Les esquives, coucher. Et sa mère, elle a dit, oh, c'est. Et après, il a fait sept ans le sac, il a choisi les rois. Et il a fait du sac, il a mis les gants. Il a comme gauche-droite dans le sac, il riait. Oh, non, de Haman, c'est. C'est-à-dire 50 ans, mais elle... 50 ans, il était gauche-droite dans le sac, en plus un sac dur. Hein. Le sac, il était jeune. J'ai rié le sac, personne... Après, c'est quelqu'un qui avait, qui était discipliné, qui avait une rigueur de vie. C'est-à-dire que le matin, c'était, ouais, c'était son petit déjeuner, les oranges, un yaourt, un fruit. Alors, est-ce que ça sera la parole, c'est qu'à l'heure de semaine, justement, un petit gars, il m'a dit... Quand il se lève le matin, il m'a dit, est-ce que ça sera la journée, c'est l'OSF. Du cœur, il va prendre une orange parce qu'il ne va jamais... Il ne boit pas de café. D'accord. Jamais il a bu de café de sa vie. C'est-à-dire, c'était une orange, un fruit, comme il disait Momo, un yaourt. Ensuite, il allait se préparer, il regardait un petit peu la télé, les informations, tout ce qui est jeux, émissions, il aime bien, et il commençait sa journée comme ça. Et Izzy, quand tu as vu la guerre, tu as vu Izzy, qu'est-ce que tu as vu la guerre? Tu as vu la guerre? Par exemple, pour qu'il y ait un combat, est-ce que tu as vu la guerre? Est-ce que tu as vu la guerre? Etc. Après, quand il a arrêté la boxe, il a arrêté en 83. Moi, malheureusement, tu vois, hier, mais bon, j'aurais bien voulu le voir. Donc, après, je ne sais pas comment il faisait avant un combat, c'est quoi sa préparation. Moi, j'ai un souvenir qu'à chaque fois, on arrivait, quand il revenait de l'entraînement, il se mettait sur le fauteuil chez Tata Kaïssa. Il y avait un bain de pieds. Il mettait ses pieds, il aimait bien relaxer ses pieds, une serviette détente. Il aimait bien se relaxer, il se positionnait et il discutait avec tout le monde, mais tu vois, un peu, relax. Tu vois, il était toujours relaxé, il fallait qu'il soit détendu. Et sur la boxe en 83 sur la boxe. Et pourquoi elle a attendu en 83? Certes, en 1980, il a beaucoup de net de Aguilera. Après, son dernier combat, il date de 83, je crois, contre un Allemand. Quand il a boxé à Aguilera, il était en fin de carrière. C'est-à-dire qu'il ne s'entraînait pas assez. Et en fait, il était un peu en retrait des rings. Mais justement, Achoura, parce que Achoura, je vais démêler. Après, c'est aussi la vie. Hein. C'est un sport qui est tellement dur, exigeant, qu'à un moment, tu as aussi envie de vivre un peu. Quoi. T'as envie de faire des comme les copains, des sorties, t'as envie de manger un peu tout, pas être au régime. Parce que c'est dur d'être au régime, d'être au poids. Parce que c'était un boxeur qui boxait à 72 kilos. Donc c'est un super Walter. Donc c'était compliqué. Et donc à un moment, t'as envie de vivre. Tu te dis, c'est bon, j'ai ma maison, j'ai ma famille, j'ai ce qu'il faut à Ebaruk. J'ai envie maintenant de profiter aussi. Et donc il a un peu lâché. Après, Karaïd, il m'a racheté quoi? Ma mère me parlait de mon père. Karaïd, il m'a fait ça à 9h, 10h, des tasses. Ah oui. Tous les jours, 9h, 10h, des tasses. 5h du matin, 6h du matin, à Dikir, à Dirah, à Diazé. Et en bas, à Dirah, à l'Khidma. Et après, le Khidma, il faut que le Khidma, 4h, 4h30, Dirah, à l'entraînement. Des entraînements, deux fois par jour, l'hygiène de vie, c'est-à-dire qu'il avait un poids à respecter. Il ne fallait pas manger n'importe quoi. Et donc, après. C'est par rapport à ça qu'il a, c'est dur un peu. C'est-à-dire qu'il a voulu, se faire plaisir, sortir, manger. Donc c'est vrai que la boxe, c'est un sport dur parce que tu ne peux pas te boxer à la kegé si tu n'as pas l'hygiène de vie, si tu n'as pas les entraînements. Tu es obligé de travailler pour obtenir ce que tu veux. C'est normal. فوالا الا مازال هذا دنو غادي انا تيك كحريش ويس 3 نقول انت لو كنكون يقيم سيدنا حتى هو التزميت ديال وصيف حماني قد الوليد هذا اللي سينا كنا دنو غادي نكمل كحريش انقالو هكا عندنا غال نكمل هذوك حريش ويس 3 تجميل الى صيف حماني غات فلاس يعفو يرحم الو هذا ثورا وذا تولنا كالا وانا هذا ودي بغينا نروح نظرا لصيف حماني تنقاروت مزما غادي نم ودي تولنا كالا وانا alors il y a des visites au funérarium de Vitry-sur-Seine 53 quai Jules Guesse
donc pas loin de l'ancien consulat de Vitry et du Leclerc et du pont suspendu. C'est aujourd'hui samedi à partir de 14h jusqu'à 16h. Il y aura aussi dimanche au même lieu. Donc ça, là, ça sera le matin de 10h à midi. Et il y aura la levée du corps qui sera mercredi à 10h à Vitry, de 10h jusqu'à 11h. Et ensuite, le défunt partira à la Grande Mosquée de Paris pour la prière. Le rendez-vous est prévu là-bas à midi. Et le corps partira en principe avec la famille. On attend encore les billets du ministère de la Jeunesse et des Sports. On attend les billets pour afin que la famille puisse l'accompagner au mieux. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, la famille sert les billets pour aller. Ah oui, c'est oui. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai pas de confirmation pour les billets d'avion. Donc, on attend que la présidence et le ministère des Sports fassent le nécessaire. Voilà. Donc, la levée du corps, c'est la Oudivranet-Walin, donc Ezkan El-Had, au Segui, à 14h, Ratara Ezkan de Sengaro, Oudivranet-Walin, de 14h à 16h. C'est ça. On bat la levée du corps, c'est l'Arva, mercredi, à 10h du matin. 10h le matin. Voilà. Et l'enterrement aura lieu à Tzadron-Thumtal-Tennis. Donc, on décolle jeudi, il y aura la veillée au village, et il sera enterré vendredi. Et donc on va voir est-ce qu'il est enterré dans le cimetière familial ou on lui fait un emplacement particulier. Ça, ça va être ses enfants et sa femme qui vont décider. Mais ça va, il sera enterré où il voulait et tête d'altis groufef, n'était rien. Et est-ce qu'il y a de l'oussaya? On est d'ailleurs radiant pour le rif gmas, on est radiant pour le hath, tête d'arthe. On sait nous tous intérieurement que voilà sa mère ouais. sa mère à côté de son père aussi mais malheureusement on va voir comment on va faire parce que comme c'est cimetière c'était un peu pas trop de place pour ce qu'on veut faire à mon père donc on va trouver la solution oui en famille avec les enfants et ma mère et maman surtout ma mère voilà c'est elle qui et après la logique quoi. Le protocole, c'est pour ça le protocole du président souhaitait qu'on aille à la Grande Mosquée de Paris, où l'imam et le recteur vont nous accueillir afin de faire la prière. Et donc après, il arriverait à Alger jeudi autour de 15h, donc au salon d'honneur, afin que la Fédération algérienne de boxe et, le ministère de la Jeunesse et des Sports lui fassent aussi un hommage. Et ensuite, on a prévu de faire un point d'arrêt, si tout va bien, à Tizi Ouzou, puisque c'est une ville qui porte aussi beaucoup dans son cœur. Beaucoup de gens de la wilaya Tizi Ouzou l'ont supporté. Pour nous, c'est un peu une deuxième capitale, même pour lui. Donc, on fera un stop à Tizi Ouzou. Et donc, qu'est-ce que Tizi Ouzou? Au stade, c'est la question. On ne sait pas encore est-ce que c'est dans le centre-ville ou au stade. Ça peut être au stade aussi. Et après, le dernier point, ça sera au village Oufef. Voilà. Alors, Igoufef, Zarab, le rapport que ça a avec le village, c'est quelqu'un qui a mis la tasse de Dardi, c'est quelqu'un qui a mis la tasse de Mourti Lokouvaï, il a mis la tasse de Khalawi, il a mis la défaire, il a mis la Sugir. Pourquoi il y a quelque chose qui a été racheté, des choses qui ont été dites, parce que l'attachement à la tête d'Ardi, l'attachement à Lokouvaï, l'attachement à l'identité, ça était un bouquin où je suis allé à Gélosif. Il y a mis la tasse la nature, il y a mis la tasse les montagnes. Donc, donc en fait, il était habitué à être avec les personnes de là-bas. Donc, il prenait plaisir. C'est-à-dire qu'il aimait bien. Après, il a grandi là-bas. Donc, il a grandi là-bas. Donc, mais alors qu'en Algérie, il y a des gens du village. Il avait tous ses amis sont là-bas. Tous ses amis là-bas. Donc, c'est-à-dire que même quand il était à Alger, il n'y a pas une fois qu'il ne va pas dans la journée à Kout El-Khawel. Même quand il était à Alger, hein, juste passer 2-3 heures, ça lui suffisait. Souvent, il était avec Hussein, Djoudrez, Hammo. Il était aussi avec Hukoma, Oulhaj, Ahmadouj. Voilà. Il avait sa petite équipe et il faisait dans la journée 2-3 va-et-vient. Dans la journée, il pouvait faire 300-400 km, donc deux fois aller-retour. Mais Tamoult, il fallait toujours soit manger Tamoult, soit voir les gens, soit aller à un enterrement, soit aller à un mariage, soit aller. Il n'a jamais raté quoi que ce soit.
اسكي الى ان ريف وتخدي مارا وتي بيضاره يقرا وليد جوري ميد خمغاي جوري ميد خمغاي دويا نو فرانشمون بري ان ريف Après, peut-être qu'il a eu un rêve, après il ne m'a pas dit, mais peut-être qu'il aurait bien voulu peut-être son combat contre Marvin Hagler. S'il aurait boxé Marvin Hagler en début de la carrière, en début de sa carrière, Hamanet Irvah. Donc après, malheureusement, il a boxé avec Marvin Hagler vers la fin. C'est que Marvin Hagler était dans l'ascension. Il montait haut. Et c'était dans la préparation. Il était un peu vers le bas. Il tassait. Alors, qui a choisi? Est-ce que c'est Hagler qui a choisi avec Hamani? Non, c'est Hamani qui a choisi avec Hagler. Alors, c'est les classements. Après, c'est les classements. C'est les classements. C'était le meilleur boxeur africain contre le meilleur. C'était le challenger. Ouais, c'était le challenger. C'était le premier officiel. Challenger. Le challenger officiel, c'est Lucif Hamani. C'est-à-dire que si tu veux être champion du monde ou si tu veux gagner, garder ta ceinture, tu es obligé de combattre Lucif Hamani. Et Lucif Hamani, après, ça a été organisé aux États-Unis, donc les promoteurs, ils ont tout mis en place pour que leur boxeur soit prêt dans les bonnes conditions et Lucif moins bien. Il était pas bien, quoi. Il était moins bien, je veux pas dire. Est-ce que c'est le combat côté. C'est le seul combat, il khassar par KO, c'est avec Hagler. Il a trois combats, trois défaites. Non, il a fait des combats par KO. Le début de carrière, il y a un boxeur, c'est André Mangelima. La préparation n'était pas préparée, les régimes, il a fait des gros régimes et il a perdu par KO dans ses débuts. Il a fait deux combats, deux défaites par KO avec début de carrière et Marvin Hagler. Très peu de KO, c'est rare. Il a fait 13 combats par KO. Oui, il avait un coup de génie, c'est de frapper en haut et de retaper tout de suite en bas. Il piquait beaucoup au foie. Le point fort, c'est que les boxeurs. Il a fait beaucoup de KO comme ça. Mais quand il boxait avec mon père, il n'est pas. Le point fort, c'est le foie. C'est fini, tu ne travailles plus. Tu poses le genou à terre. C'est sa spécialité, ça. Ça, c'est sa spécialité. Il avait un bon coup au foie. Alors, c'est quoi son point faible? Est-ce qu'il caractérise son point faible? Son point faible? Le point faible de mon père, c'est Hachin, il n'encaisse pas beaucoup. Hachin, c'est un technicien. Il ne prend pas beaucoup de coups. Ou que les combats, il prend pas beaucoup de coups. C'est-à-dire que quand il prenait un coup, il était fragile. Et il était fragile la mâchoire. Ouais. Après, la plupart des grands boxeurs, le point faible, c'est la mâchoire. La mâchoire ou le foie. C'est deux points faibles de la boxe. Et ça veut dire que mon père. Après, c'est pour ça qu'il ça a la boxe mobile. Il bougeait partout, donc c'était dur à le toucher. Après, il avait ses surnoms aussi, les surnoms à boxe. Le Nourieff Kabil, le lion de la Durdura, lion des Durdura. C'était ses surnoms. C'est sur nos scans. Ouais. Parce que même dans la presse, dans les médias, on l'appelait comme ça. Des anecdotes, Iwak Nazar. Est-ce que c'est Alain Delon et Rouhari Goufef et Bouth Lousif Hamani? Elle m'a dit ça. Ma mère m'a dit qu'il Rouhari Goufef. Alain Delon et Bouth Lousif Goufef. Goufef. Oui, il est venu. Il est venu, mais parce que je pense qu'il voulait lui faire changer peut-être de nationalité, je pense. Il voulait voir où il vivait. Il s'est dit, il faut que j'aille jusqu'au bout avec lui. Ouais. Mais après, il l'a pas, voilà. Et il l'aimait beaucoup. Il l'aimait beaucoup. Après, c'est quelqu'un d'attachant, Lucif. Ouais. Lucif, tu passes un week-end, des vacances, une soirée avec lui. C'est celui qui va toujours rigoler, qui va prendre un. Voilà, qui il est agréable, c'est quelqu'un d'agréable. C'était Belaïd. 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 Moi aussi, circoncision. Circoncision. Même une clinique. Circoncision de Rachid, ouais. Il est venu. Ah ouais, je me rappelle, il était venu avec sa femme. À Montfou. Ah bah, c'est. Rachid, du coup. Après, lui, quand il faisait. Tout ce qu'il faisait, c'était. Ouvert, les portes étaient ouvertes, concert gratuit, public, c'était ça. Ouvert à tous. Voilà. Et si quelqu'un, il a pas l'ONIS, on a fait qu'il a ça le même prénom, l'ONIS, il a beaucoup d'anecdotes avec l'ONIS, Zablik, il a pas l'ONIS, il y a que des Français tout le temps, il y a un grand respect. Un grand respect mutuel. Oui. C'est qu'en fin de compte, ils savaient que c'était des porte-drapeaux, des icônes algériennes et kabyles, il ne faut pas oublier, les Mazirones. Et de là, pour eux, ils savaient que l'union fait la force d'Okyun. Et donc, dès qu'ils essayaient de faire quelque chose, chacun le rendait à l'autre. C'est-à-dire qu'il y avait un gala, Lucif était le premier à venir avec sa mère et sa famille.
Et bah, de l'autre côté, bah, quand Lucif boxait, bah, il venait aussi. Vice versa, voilà. Mmh. Ouais, c'était comme ça, c'était naturel. Ouais, c'était une fierté partagée. Voilà. تنت قال لي ابو حب لي سون ريف هذه خمي سال دو بوكس لو كان دي عاوني المزيان اسكو لو ريف كاين زمان تخمل الوراويس جيسبر اتن سمينا جيسبر كوم سا نو واي دوني ان نو ان بو كومبلكس سبورتيف فوت Bah, pour que son nom, il doit rester dans l'histoire. On ne doit pas occulter l'histoire et les mémoires. Parce que tout ce qu'il fait, c'est... Aujourd'hui, Lounis, il a fait beaucoup, beaucoup de choses pour les jeunes. Il a transmis sa culture, sa force, son savoir de la boxe. Mais il faut... Voilà, c'est comme une... Alors là, la bibliothèque, le livre s'est fermé. Mais il faudrait trouver la solution, comment réouvrir l'histoire et comment retransmettre à nos jeunes. Moi, j'espère que un des enfants, des garçons, j'espère, qui vont reprendre le chemin de la boxe. Il faut suivre le chemin. Il faut continuer. Il faut, Inch'Allah, pourquoi pas, Miss Samir, qui devienne, Inch'Allah, Mvavana, plus que mon père. Inch'Allah. Ça fera plaisir. Donc, et que tu n'as que sur la bonne voie. Moi, toujours. Je suis toujours dedans. Mais voilà, j'aimerais bien aussi transmettre mon savoir-faire et coucher, Inch'Allah. Après, on verra peut-être plus tard avec mes frères. Pourquoi réaliser pas la salle de boxe. Voilà. الا موه حكيتي دانا تيك سميتها وضعت وانا كنا كتب ضاطس صار ضاطس كتابين اسك يعني يوران لي فكو ميم فلوسيف حماني خاطر كو ميم سي تون ليجوند لا قضيه ديال pourquoi pas avec les enfants faire des portraits de chaque enfant du papa dans sa généralité mais aussi parler de voilà chacun de la sensibilité de qu'est-ce qu'ils ont à dire par rapport à leur papa par rapport à eux aussi comment ils ont vu leur papa. Là, en une heure et demie, on a fait un beau reportage déjà. Merci à BRTV. Mais oui, pourquoi pas retracer, puisqu'il y a énormément de photos, il y a énormément de témoignages. Il y a une vraie belle histoire, parce que partir d'un petit village perché en haut de la Kabylie, un Igoufev qui n'était pas connu, et quand je vois aujourd'hui les images et on met Algeria Igoufev, eh ben, ça fait plaisir. Ah ouais, ça fait plaisir parce qu'on est tous du même village et c'est Aïtiria, c'est la Kabila, la Kabylie, c'est tout le monde. On est tous fiers de Lucif qu'il ait porté aussi haut le drapeau algérien. Et on espère tous que oui, pourquoi pas faire un livre quand on va se poser posément et créer aussi un hommage. On va voir aussi, on va y réfléchir. Après voilà, on va y réfléchir ensemble. On va réfléchir. Voilà. يمسلينا وكي نقورا إذا مدينا إيك مينا غاسمينا إذا شكو مدينا بذا مبسليني نقورا بس كو جسي كذي لوبيتالي مت في لا في سي تلير كمي أسي كوتي كمي قلنا الرفس إيس كلا لهذو الحاجة مدينا تخطو يا قاري قاريد ما في صار مو ديسي بس كو بذا يلان با لزوبيتو يلان با يمديزي ما في Sors-moi d'ici. Je fais papa, je peux pas te sortir, t'es à l'hôpital. Il aime. Voilà les phrases qu'il disait. Il aime pas les hôpitaux. Même les médicaments, ces médicaments, c'est moi qui lui donnais. Je lui dis papa, tiens, prends tes médicaments. Il aime pas. Je sais pas, voilà. Est-ce que c'est vrai que les derniers jours à Guinée, même les médicaments, c'est quoi les Non, il s'est laissé aller. Même manger, il mangeait plus. Il buvait plus, il était là. Yaya, ça a été fatigué. Vraiment, ces derniers temps, c'était dur pour lui. C'était le dernier gong, c'était la sonnerie. C'était la sonnerie. Même lui, ça y est, lui Yaya. Il faisait plus d'efforts. Ce qui lui faisait. C'est-à-dire, même quand je le levais, ses pieds, c'était moi qui le portais pour le mettre sur la chaise roulante. Je fais papa, lève-toi, fais des efforts. On dirait qu'il sentait. Il se laissait aller. Voilà, c'était ses derniers moments comme ça. Et après, heureusement qu'il a bien été entouré par ses enfants. Oui, on était tous là. Ma mère aussi. Ma mère, elle a fait beaucoup. Elle a aussi. Fait un travail incroyable. Ah oui, ma mère, elle a tenu vraiment. Elle était courageuse. Elle était vraiment courageuse. Il y avait mes frères. On faisait un tour de rôle chacun, justement, pour ne pas laisser ma mère toute seule. On dormait. C'était pas facile. On a fait un planning, tel jour, c'est tel enfant. Et... Alhamdoulilah. إيش شو مسني قرعة جدنا رشيد؟ ممكن ااا أشتى قبل كي سوى مالد، قبل كي سوى مالد، يتأذى قدام التلفزيون.
مسكينيز ما عاد يبوجي كل شيء لا في دي مال على مارشي لي بوس لي بوس هنا رشيد جامري بيان سورتير يولي سورتير يولي سورتير خاطش كوي تسوي حتى تصل القهوه اللي ما بيان باغ سوا كافي الحلو كافي د الحلو يا بو يا ديفري وك لا فامي دي هنا لي بوس نكنسير لونترينمون بون انا راس جي با لونترينمون جو ريست افيك مون بير نروح على لونترينمون جي ليس لونترينمون دو كوتي Et j'ai fait sortir mon père, j'étais avec. Tant de voiture. J'ai pris ma voiture, l'air de Mouloud Touboul, c'est un boxeur aussi, ouais, ouais. On est souvent ensemble, alors j'ai passé le bonjour, on est souvent ensemble, et il passe à de la Kahwa, Miskin Yaya. Et on est resté dans le café, on l'a ramené dans un restaurant, Tchet Koulchi, on a mangé, et après, vers les coups de. C'était la nuit, on l'a ramené, on l'a mis dans la voiture, on l'a mis devant, Kenny Dufir, Mouloud Simhar. Et on l'a fait faire le tour des Champs-Élysées, la Tour Eiffel, il a vu. En musique. Ça l'a fait plaisir. Et ça m'a vraiment. C'est un bon souvenir. Mmh. Ça l'a fait plaisir de voir la Tour Eiffel s'allumer. On l'a fait le tour de Paris, les Champs-Élysées, Colché. Et il était émerveillé. Il était vraiment heureux. Content. Moi, c'est ça qui m'a. C'est très clair. C'est quelqu'un qui aime sortir. C'est ça. Et ça, l'habitude. Il avait l'habitude de sortir dans les cafés, aller au café, aller voir les amis. Et là, il se récréait, attends, c'est très magoukham. Et il peut se dire, Rachid, oui, il y a le kahwa. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai fait sortir, je l'ai laissé dans le café. Et on a un restaurant, je l'ai ramené sur Paris, je l'ai fait visiter, la Tour Eiffel, les Champs-Élysées, Koulché. Il était heureux, c'est vrai. Ah, ça lui a fait une petite sortie. La photo avec Gran Rachid, ça date de 12 jours, vous l'avez dit. C'était 2-3 jours avant le décès. Général Sevev, Yann aime la photo. On va prendre une photo ensemble. Merci. Et on a pris la photo comme ça. C'est vrai que des fois, c'est dur de voir. Rachid connaissait l'habitude. Tous les matins, quand je me réveillais, avec toi, avec Salon, il se réveillait tôt. Et toi, avec Salon, dans la formation, dans l'entraînement. Et là, quand je me réveille, des fois, ça me fait un peu. Il n'est pas là. Alors, est-ce que tu es à l'hôpital ou il est à l'hôpital? Non, il s'est réveillé un matin, je raconte un peu, il s'est réveillé un matin à 8h30. Mm-hmm. Parce qu'il y avait l'ambulancier qui venait le chercher pour aller à la rééducation. Il faisait de la rééducation. D'accord. Il s'est levé, il a déjeuné comme tous les matins. Et il a fait un malaise à la maison. Vous êtes l'ambulancier. Il a fait un malaise, il y allait. L'ambulance est née, mademoiselle, votre père, il n'est pas bien aujourd'hui. Avant de le ramener à la rééducation, je passe par la clinique Pasteur pour voir ce qu'il a. D'accord. Ensuite, on l'a ramené à la clinique. On lui a mis. Sérum. Du sérum pour voir s'il avait une baisse de tension. Ça allait. Et comme je te disais, Kamel, il n'aime pas les hôpitaux, mon père. Ça veut dire. Il a tout enlevé et il avait du mal à respirer. Il s'est angoissé, voilà. Mmh. Et après, le médecin, il m'a dit, c'est normal que ton père il respire comme ça. Je lui ai dit, non, il n'a jamais respiré comme ça. Je pense que c'est le fait d'être à l'hôpital, parce qu'il n'aime pas être enfermé, surtout à l'hôpital. Donc, il m'a dit, pour voir vraiment c'est quoi la cause de pourquoi il respire comme ça, on va lui faire un scanner. Rare de me laisser un scanner, et c'est de là que... qu'ils ont vu qu'il avait quelques problèmes de reins et que c'était trop tard. On ne pouvait rien faire. Donc, avant Zaneb, qu'il a un problème de reins. Non. À la dernière minute. À la dernière minute. Mmh. Ouais. Et c'est jamais plein des reins. Donc, voilà. Et après, boum, à l'hôpital, Non, il est quand même à l'hôpital. Uh-huh. Ils ont dit, nous, il a appelé quelques personnes, ses confrères, pour voir si on pouvait le transférer pour une dialyse. Mais ils ont refusé. Il y a sept médecins qui ont refusé de le prendre en charge pour une dialyse parce que son état était très avancé. Il n'était pas stationnaire. Il y avait des risques. Donc nous, il a dit, on le garde ici, on va l'entuber, mais on ne sait pas s'il va finir la nuit ou s'il va... Donc comme je te disais tout à l'heure, il a fait 3 arrêts cardiaques. Le jour même. La nuit même. En 45 minutes, il a fait 3 arrêts cardiaques. Le quatrième, il est mort dans mes bras, il était 23 heures. Voilà. Laisse Yafou.
في قلبي يكون ضيق الرحمن ان شاء الله كان قانك الموت ذا فريد والجن النخلي الذين كرهنا وضع شكرا للي مثلا الجساس كان يكتغافن وما نثني غتقي من هذا الدرن الا بدا بعدا ودي جاني سما ونسن ذوك مزوري كراسن لوصيف حماني ادنا وددنا نسيتي كنت نظر ودي سيدات سوالينا كان لو انا محمد زعما دار صد ودي كيف غنضر حنا زران ايتيك تنكاروث لوصيف حماني دونك ازكر الحد ديمانش à 10h de 10h à midi voilà à dimanche à 10h à 10h oui jusqu'à 10h c'est ça jusqu'à midi donc c'est funérarium de Vitry-sur-Seine 53 quai Jules Guess, donc pas loin de l'ancien consulat de Vitry, du Leclerc, du pont suspendu. Donc les visites sont ouvertes. Et il y aura la levée du corps mercredi à 10h aussi, et donc de 10h à 11h. Donc s'ils veulent se recueillir en la mémoire de Lucie Famani, ils sont les bienvenus. Ils sont les bienvenus autour de sa famille et des gens qui l'aiment. Voilà. Ça serait important. Et après, il part aussi ceux qui sont sur Paris, qui veulent aller aussi à la mosquée de Paris. C'est aussi mercredi à midi. À midi. Pour la dernière prière. Il y aura une visite jeudi soir. Jeudi soir, Inch'Allah. C'est le jimaan, il y a une visite de la visite de Egoufef. C'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, c'est vendredi. Il y a une visite de la visite de l'Egoufef. Il y a une visite de l'Egoufef. باش هذا كومباني فيفاتسن هذا احنا حضرنا اتنطط تاكين هذا في اللي يثنتي غير موح دونك اون كيك سورت او فان يعني سي سي انت مسالي ولكن انت واش وتي ساسدو سا سري بيان دو فاسيليتي لي ديمارش باسكو نو ايسي اون ا في لي نيسيسير او نيفو دي بومب فينيب اون ا تو في سا سري بيان كو لا با كي بويس نو فاسيليتي تو سامبلومون لي ديمارش افان كو سا فامي بويس اكومبانيي او ميو لو ديفان لور بابا afin que la cérémonie soit pleinement remplie. On ne peut pas faire une cérémonie funéraire sans ses enfants, sans ses sœurs, sans ses petits-enfants, sans ses beaux-frères. Voilà, il a tout ce qu'il a fait dans sa vie, il l'a fait dans l'union et en famille. Voilà. Donc il faut que ça continue, il faut qu'il comprenne, soit au ministère de la Jeunesse et des Sports, soit au palais du gouvernement. Monsieur Tebboune, le président de la République, lui a fait un hommage national. Donc la moindre des choses, c'est que nous, on accepte le protocole de la présidence, mais de l'autre côté, il faut aussi qu'ils respectent les doléances aussi de la famille Hamani. C'est important. Voilà. وقبل هذا الفارق هذا وزرع شيء ما يليك ربا ولا تديني ذا اسمينا خطر كمير من كسينا ونزمة تقرف ذا ذا مثبت أنا تيك اسم الجدام خطر نزند بليك ناس من الفلاس يعفو الحمد لله ثم تثا ثم قرنت لقستو غير تجميد أنا تيك ثم قرنت ذا ذا مدار قز ثم قرنت استو غير تجميد ثم قرنت Ben moi je veux dire qu'il repose en paix, que les gens qui veulent venir rendre visite à mon père seront les bienvenus. Voilà, Momo, il a donné l'adresse, on a tout dit, telle heure. Et j'espère qu'on va lui faire une bonne cérémonie, que ça va bien se passer. Qui repose en paix, Veva, Rahmo, et qui repose en paix, Sissi, ma grand-mère. Et j'espère que... Voilà, on va faire une belle cérémonie, tout va bien se passer, Inch'Allah. Et voilà, je remercie aussi de nous avoir invités à ce plateau. Merci Kamel, ça fait plaisir. Merci. Et Inch'Allah, qui repose en paix encore mon père et on pense à lui fort. On l'aime beaucoup. المرتم قرنت الكوراج تبغست محمد ملاوان تقالا. Moi je remercie tous ceux qui entourent la famille Hamani, qui essayent de faciliter les démarches afin que ça se passe au mieux. Lucif Hamani, à la demande du président de la République, partira sous les drapeaux algériens. Ça veut dire que c'est un départ funéraire officiel. Donc nous, comme je vous l'ai dit, on a accepté la grande mosquée de Paris, donc il sera posé aussi là-bas. Et là-bas, on attend aussi une vraie ferveur de la population algérienne et kabyle. On sait qu'il va être très attendu et on voudrait, comme il se doit, que l'hommage national soit fait en son honneur et en toute simplicité, en toute humilité, où tout le monde sera invité. C'est le peuple algérien qui lui rendra tout simplement honneur.
فالمثل تم قرانتي محمد وهراني تسميتي ذاك ذي البلاتو تلا سمينا ذي ليس لوصيف حماني بين اسم قماس لوصيف حماني ناس من فلاسيا فرحم الى ميس رشيد حماني ذي عناتيك انت ذي عشان شامبيون ذي لا بوكس ذي ميس لوصيف حماني سير مغسل ولدك سير لي تراس دو تومبير راه تعدي راس شهر بزاف محمد وهراني ذي عناتيك خالص لوصيف حماني حماني ذي قربي ذي قمضيق الرحمه ذي قربي جد الفركة غيت واش انت سي تدرتي سي مرة ثمران تمزغا غمذي ونقرف ذن اسم النغ اسغ النغ ضم قران ذي دونيت لن يمذان تسمثن لا شو كنا يمذان تسمثن تن كان دي ميرني يمذان ني دي جنس من سن ذوك مزروي ذو زغيغات ني تسو مذان ذو زغيغ عنا تيك ذروحا ذي تاتوث لو صف حماني غذي ونورقاز ام قران اكس بشان اسم النغ ذي ونذغنتيك اقعرض نقخذ من ذي زادن ستزمارتي نس يوكن لي اتزخض يسي من سن غطاسر غرس لو صيف حماني غدي ثري غالي ثران ديك جنوان اثي غربي قمضيق نار رحمة سلام هذاك لي تواشورتي سميد لفغين لو صيف حماني ذي ونك حمل تواشورتي سك مشطوحة لما ذا مقران ذاك الناس سير ما مقران ذاك الناس ورا تندلتيس اذحضر نور راويس ورا وبر راويس وينس دي زين وكني اكني وكين ذا سير مينس ام قران ام ذي قس ذي تلويث الرحمة لو صيف حماني الفركة تواشورتيس اثي كتني ظنات سميكتي غذاك أزكى الحد غاف العشرة وذي قبعنا ضوحا أذوالي نتمو غدي نغتين قاروث نجسا لوصيف حماني أزكى غاف العشرة ماذا قلنا أرفاذ نجسا غد ضرو أصل الأربعة غاف العشرة ماذا قلنا ذينك شدن غاف نضلتينس أد ضرو أسن الجمعة ذي تدرتيس ذي إيغوفا في ديزقان ذي العرش نا أثيحيا فالمرثة ثم قرنتي إمس إمس اسمنا حماني فالمرثة كمال مرسي بول انفيتاسيون Bah, c'est un devoir. Et je remercie aussi mon cousin Momo de nous avoir aidés pour toutes les démarches près de nous. Voilà, merci beaucoup Kamal de nous avoir invités à cette émission et ça fait vraiment plaisir. Et je remercie beaucoup Mohand. Pour moi, c'est un grand frère, comme le grand frère, et ça me fait plaisir d'être là. Et de parler de notre père, voilà. Merci à toi Kamel, à l'ensemble des téléspectateurs de BRTV, à notre communauté algérienne et kabyle de France et d'Algérie. Et moi, je les ai toujours accompagnés, soit pendant les championnats d'Afrique, championnats d'Algérie, pendant les compétitions. Et pour moi, c'était un devoir de faire au mieux en la mémoire de l'OSIF, parce que comme tu as dit, sa mémoire sera toujours honorée, c'est une étoile qui brille pour l'éternité. Inch'Allah, le Jannah. تلميذ ثم قرنت موحن تلميذ ثم قرنت رشيد تلميذ ثم قرنت سمينة تلميذ ثم قرنت أنا تيك يكون متي لو كذ يكون ودي داني إذا نصر ما ذاك الذي في سن في الأول ذوال التجميل تي ورجاز أم قرن أين دنا نام في اللاس دروس ذا شو كان وتز دغالة ثوث في اللاس تي قربت قم ذيق نرحمان الفاركان ذي توش وتس جابكن ذي لهنا الخالتي كتنيران